So I'm Anne Duncan, I'm the director of the British Council in France. The Forum Entreprendre dans la Culture was an opportunity for the UK to really be put in front and to exchange with our counterparts in France. It was an opportunity for the cultural and creative industries to be put forward, to have an exchange among professionals, and to really see the kind of complementarity that exists between our models, between our countries, and the things that we can learn from one another. What's so exciting, though, is to really see what it generated in terms of things that can go forward, and that's what the British Council is really here to do. I'm Anicia Morel, I'm the Councillor for Cooperation and Culture at the French Embassy in the UK and Director of the French Institute. So I started my posting in London in February, and that's roughly when we started, you know, organizing the various roundtables, talking about which guests should come, what would be the main topics, etc. So we've had weekly meetings with the Ministère de la Culture, the British Council, and many others. And gradually we included the arts councils, the artists themselves. Bonjour, je m'appelle Amélie Tchadirjan et je suis chargée de mission export et développement territorial des industries culturelles et créatives au ministère de la Culture, à la Direction générale des médias et des industries culturelles. Alors le forum Entreprendre la Culture, c'est un espace d'échange essentiellement qui regroupe des étudiants, des créateurs, des entrepreneurs, des institutions culturelles, et l'objectif c'est vraiment de donner les clés de l'entrepreneuriat culturel, que ce soit au niveau des fondamentaux, donc tout un parcours qui est dédié aux jeunes entrepreneurs, mais aussi des tables rondes prospectives qui traitent d'enjeux présents et futurs. Et cette année, on a trois thématiques principales. Tout d'abord, l'intelligence artificielle, les enjeux sociétaux et environnementaux, mais aussi les enjeux qui sont dédiés à l'international et à l'export des industries culturelles et créatives. Alors, le Royaume-Uni est invité d'honneur cette année au Forum. C'est une décision qui a été prise l'année dernière à l'occasion du sommet franco-britannique qui s'est tenu en mars dernier. Et donc nous sommes très heureux en tout cas d'accueillir le Royaume-Uni au Forum cette année, ce qui a permis pour nous de travailler très étroitement avec le British Council, l'Institut français du Royaume-Uni essentiellement, pour organiser un parcours britannique composé de tables rondes et d'ateliers, d'échanges et de keynotes avec des intervenants britanniques de haut niveau. L'idée, c'est de partager son expérience et ses envies entre ses pairs et voir comment on peut créer de nouveaux projets, collaborer ou coproduire des œuvres. Donc nous, ce qu'on espère, c'est qu'on espère de belles collaborations franco-britanniques, que les deux côtés puissent s'inspirer de ce qui se fait de mieux en France et au Royaume-Uni.